Je suis Franck et je tiens les chambres d'hôtes Aiguillette Lodge à Glacin-Vercors. On a créé les chambres d'hôtes il y a 10 ans. On fait la table d'hôtes, l'atelier de poterie et les randonnées accompagnées avec du yoga. On a évolué là depuis la création et donc là on souhaite reconfigurer certaines chambres pour coller un peu à la demande de notre clientèle. Et l'objectif, c'est que cet établissement qui fait à la fois maison d'hôtes et table d'hôtes puisse monter non pas en gamme mais monter en qualité. Toi ici tu proposes une autre expérience, en fait le mot il est parfait, une autre expérience. C'est ici, c'est autre chose qu'ailleurs. Et pour ce faire, on les a fait travailler sur trois pistes en particulier. D'abord, comprendre que le parcours d'expérience dans un établissement commence déjà avant la venue dans l'établissement. Bien prendre en considération la communication qu'ils ont sur les réseaux sociaux, sur le site ou sur l'Instagram, l'expérience poterie, l'expérience du yoga nature et une cuisine maison qui est bio et locale. Ces fondamentaux-là, c'est vos forces, c'est votre différence, c'est ce qui est important de percevoir. La deuxième étape, c'était justement de travailler toute la partie signalétique qui permet de passer du dehors vers le dedans. Donc bien maîtriser la qualité de la signalétique parce qu'on n'a jamais deux fois l'occasion de faire une première bonne impression. Et le troisième et dernier point, c'est un établissement qui se situe en montagne et avec des gens qui ont un niveau de raisonnement très responsable. De ce fait, dans cette lignée-là, il fallait qu'ils fassent des choix en termes d'aménagement, qu'ils soient dans ce qu'on appelle un style low-tech, et montrer comment ils pouvaient le déployer de manière créative assez large, aussi bien dans leur aménagement que dans leur choix de mobilier. J'ai trouvé ça très positif de réfléchir tous ensemble sur un cas concret et très enrichissant par rapport à l'expérience que je pourrais mener dans mon propre gîte.